salut à tous les amis, c'est Daïla pour Pokémon, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui m'écouter, c'est Alexandre, c'est super, aujourd'hui mes amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec ma toute nouvelle caméra d'ailleurs. Aujourd'hui les amis, c'est une vidéo assez spéciale puisque comme vous le savez j'étais au championnat de France de cartes Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs je vous ai sorti une vidéo dimanche sur ce sujet mes amis. Et du coup ce que je vais vous montrer mes amis, c'est qu'il s'est passé un événement extérieur à ce championnat qui est lié aux joueurs qui étaient présents à cet événement. Et j'ai décidé d'apporter mon soutien à ces personnes puisque ces personnes, mes amis, se sont fait cambrioler. C'est-à-dire que leurs voitures se sont fait casser. Et dans leur voiture, il y avait toute leur collection de cartes Yu-Gi-Oh! Des milliers d'euros de cartes de collection, de cartes à jouer, de cartes qu'ils utilisaient pour des duels, etc. Ils se sont fait également voler des PC portables, du matos, de vidéos, etc. Et donc du coup, mes amis, j'ai filmé ce qui s'est passé pour, écoutez, vous en faire une vidéo et... pour que tout le monde les soutienne finalement. Donc dans cette vidéo mes amis, elle est un peu faite à la va-vite. Je filmais un peu sur le coup du stress, vous voyez l'instant T. Vous aurez normalement l'adresse des personnes en description si vous voulez leur envoyer des cartes Yu-Gi-Oh! pour essayer de les soutenir et qu'ils recommencent du bon pied. N'hésitez pas mes amis, moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà, vous le savez, je reprends YouTube, j'ai du tout nouveau matos, je suis dans mon nouvel appartement. Daïla Force Pokémon, on revient maintenant quasiment chaque jour sur YouTube et je suis très heureux. Et en fait, bah avant je me suis rendu compte que je m'étais jamais vraiment servi de ma communauté pour apporter vraiment du bien aux personnes qui en avaient besoin. Et là c'est l'opportunité mes amis. Donc vraiment si vous voulez apporter votre soutien comme moi je le fais à ces personnes-là, n'hésitez pas à envoyer vos cartes Yu-Gi-Oh! En double, en trop, vous ne savez pas. Parce que ce sont vraiment des passionnés, des collectionneurs et des Yu-Gi-Tubeurs, des petits youtubeurs de cartes Yu-Gi-Oh! Qui se sont fait voler leurs cartes. Donc vraiment leurs voitures se sont fait casser. C'est plusieurs voitures qui se sont fait casser et cambrioler. Et voilà, je voulais apporter tout mon soutien. Donc si vraiment vous aimez ce geste, n'hésitez pas à laisser un petit pouce de la vidéo et la partager pour la faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient les soutenir. Voilà, c'est un petit geste mes amis de ma part, mais qui peut finalement rendre heureux 4 ou 5 personnes qui se sont fait voler. Moi j'imagine ce que ça doit être de se faire voler toute sa collection de cartes. Finalement c'est vrai que si tu vas à un championnat de cartes Yu-Gi-Oh! Bah forcément tu prends une grosse partie de ta collection parce que tu peux faire des échanges, des combats, des duels, etc. Tu vois, et donc moi j'imagine, je m'imagine à leur place, si je me fais voler ma collection, je serais vraiment au bout de ma vie, tu vois. Voilà mes amis, alors, petite parenthèse avant que la vidéo commence, j'ai plein de nouveaux matos pour les vidéos. Vous allez me dire, mais David, ton son il est dégueulasse, c'est normal. Là, regardez, j'ai acheté un micro à 300 € quasiment, Sennheiser, donc c'est une très bonne marque. Mes amis, j'allais commencer la vidéo et... je n'ai pas de pile. Voilà, je n'ai pas de pile pour le micro. Je ne peux pas me permettre d'en acheter pour le moment, en fait, tout simplement parce que je suis très très occupé. Et je n'ai pas eu le temps avec l'emménagement, le déménagement, etc. Donc ça sera l'une des seules vidéos où il n'y aura pas un bon son. Après, je vous promets qu'il y aura un meilleur son. D'ailleurs, je vais prendre la caméra. Donc là, j'ai une toute nouvelle caméra ici, mes amis, qui va servir pour les offres des cartes Pokémon, les challenges, etc. Et je voulais vous montrer pourquoi également je ne peux pas brancher le micro et enregistrer mon son. Parce que je suis dans mon nouvel appartement. D'ailleurs, vous avez la vidéo qui est sortie samedi sur ma chaîne, donc elle apparaîtra en fiche là-haut. Mes amis, en fait, je n'ai pas une très bonne connexion Internet pour le moment. En fait, je vous explique un petit peu. Regardez ça. En fait, mon PC est branché en permanence, en Ethernet à la box. Et je mets des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à uploader des vidéos mes amis. Donc je ne peux pas débrancher mon PC et brancher un micro là-bas ou non plus tourner une vidéo par terre. Là comme vous l'avez vu, il y a une vidéo qui est en cours d'upload. Voilà, donc il est très difficile pour moi de reprendre YouTube avec ces conditions, mais je fais tout pour. Donc voilà mes amis, c'était pour vous dire que c'est le retour des vidéos quotidiennes, des vidéos chaque jour, et que j'en étais extrêmement heureux. Voilà. Donc mes amis, vous voyez, là-bas c'est un peu mon coin de tournage, donc j'en profite pour faire une petite mise au point. Ici ça va être mon coin de tournage sur ce petit canapé, etc. Voilà, c'est mon petit coin de tournage. Comme vous l'avez vu, là, il manque un peu de lumière. Bon là on est le matin quand je tourne, évidemment il n'y a pas beaucoup de lumière et puis j'ai pas remonté les stores. Mais je n'ai pas encore reçu mes spots. Je n'ai pas encore reçu mes spots de lumière. Donc effectivement, je vous le cache pas, c'est très compliqué de vous faire une vidéo de qualité. Et pourtant j'ai tout le matos qu'il faut mes amis. J'ai tout le matos, c'est-à-dire que je vais reprendre YouTube de bon pied. Voilà, j'ai acheté tout ce qu'il faut. J'ai même de nouveaux trépieds pour mes... pour mes G7X, etc. J'ai acheté plein de choses pour vous faire des nouvelles vidéos de Pokémon. J'ai pris contact avec des sponsors, j'ai fait des commandes. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne YouTube, mes amis. Et je suis très heureux de vous retrouver. D'ailleurs, on fera une vidéo pour parler un petit peu de mon retour sur YouTube. Parce que c'est officiel, j'ai mon appartement. Bon, la fibre, ça va arriver, voilà, dans les 15 premiers jours de juin. Ça va être long d'ici là, mais je vais essayer de vous faire plein de vidéos. Et c'est...
excusez-moi, et essayer de vous retrouver. Voilà, sachez que mes amis, c'est un plaisir de reprendre les vidéos. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver et de pouvoir reprendre ma passion. Et j'espère que vous serez là au rendez-vous. J'ai repris tous mes réseaux sociaux. Donc ma page Facebook qui est en description, n'hésitez pas à aller la liker. Je fais des petits posts dessus. Mon Instagram est extrêmement actif. Je fais des stories dessus tous les jours de ma vie en général. De quand je suis invité au champ. Hier j'étais invité à un match de foot en loge pour le match France-Irlande. J'ai filmé un petit peu comment ça se passait en loge VIP. Des fois je vous montre quand je passe l'aspirateur, quand je suis avec des amis. L'autre fois j'étais avec Tim Dylan Delery chez Si, je vous ai montré un peu notre soirée. Voilà, je suis extrêmement actif sur Instagram, vous l'avez en description, je compte sur vous pour aller me rejoindre. Et également je ferai des photos quasiment tous les jours, voilà, ça va reprendre. J'essaie d'obtenir un bel appareil photo pour vous faire des belles photos et vous partager un petit peu mon quotidien à travers des photos. J'ai repris Twitter également. Twitter, j'ai un Twitter extrêmement positif puisque ma vie, du coup mes amis, est devenue plus que positive, même si encore des petits problèmes. Et bien écoutez, voilà, c'est pour vous dire que je suis vraiment actif sur tous les réseaux. J'ai que des bonnes ondes à vous envoyer. Et puis voilà mes amis. Donc pour ceux qui demandent les ouvertures de cartes Pokémon, mais écoutez, si c'est encore une vidéo Yu-Gi-Oh, les ouvertures de cartes Pokémon vont reprendre évidemment mes amis, mais ça ne se fait pas comme ça. Là j'ai tout le matos, il manque encore un fond, j'ai pas forcément la bonne connexion internet, il faut que je reprenne contact avec mes sponsors. J'ai pas non plus énormément d'argent après avoir loué cet appartement, je vais pas vous cacher, il n'y a plus beaucoup d'argent, je peux pas me permettre de mettre des milliers d'euros dans des cartes Pokémon pour faire des méga ouvertures, etc. Comme avant, je n'ai plus les moyens d'avant, hein, je vous le cache pas. Mais voilà, merci à tous ceux qui sont là pour me soutenir, etc. Et du coup, mes amis, je vais vous laisser avec la vidéo, puis on se retrouve à la fin. Yo les amis, c'est Daila Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien. J'étais au championnat de France de cartes Yu-Gi-Oh, donc au CDF, et s'est passé un énorme accident, un cambriolage en fait. Donc je suis avec monsieur, voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est la voiture de qui exactement? Donc c'est la voiture de Dark Magician, enfin ouais. William, qu'on voit justement là-bas. Ouais. Donc nous on est tous youtubeurs Yu-Gi-Oh. Ouais. Donc on avait nos matos, donc on avait PC, c'est PC, ça ouais. PC, on avait nos cartes aussi. Voilà. Ouais. Donc les cartes que j'ai achetées hier, que je n'ai pas mis justement dans mon sac, on a laissé dans la voiture. Il y avait pour combien de valeurs de cartes Yu-Gi-Oh? Ah, il y avait pas. Anciennes éditions et tout. Ouais, mais ça, c'est difficile de côté, mais si on peut dire comme ça. Et pour plusieurs euros. Plusieurs centaines sûr, ouais. Déjà ouais. Plusieurs centaines d'euros. Il y a le PC aussi. Ouais, le PC avec toutes nos vidéos. Le vidéo qu'on a tourné. C'est où que la voiture elle s'est fait abîmer? Du coup, vous savez que quand on collectionne quelque chose, ça nous tient forcément à cœur, et quand même quand on est joueur. Cartes Yu-Gi-Oh ou Pokémon ou même Magic, etc. Se faire voler ses cartes, c'est vraiment l'une des pires choses qui pourraient arriver. Surtout quand tu vas à un championnat pour y participer. Donc c'est ici que ça a été vandalisé. Du coup ils se sont fait voler leurs affaires à l'intérieur de la voiture. Ce qui serait cool les amis, vraiment, c'est que je vais vous laisser une adresse en description et aussi en commentaire, je pense, en commentaire épinglé. Ce qui serait vraiment cool, c'est que ceux qui ont des cartes Yu-Gi-Oh chez eux, vraiment vous voulez faire une bonne action, vous mobiliser pour une équipe de joueurs qui était vraiment était là pour s'amuser et participer à un tournoi. Juste sans se prendre la tête et qu'ils se retrouvent avec leur voiture toute cassée et leur PC etc et leur carte volée. Ce qui serait cool c'est de faire une petite action et de leur envoyer des cartes Yu-Gi-Oh si vous en avez. Vraiment je vous force pas, si vraiment vous en avez des doubles ou quelques cartes qui vous feraient plaisir et que cette histoire vous a touché. Et n'hésitez pas à aller les soutenir, ils ont une chaîne YouTube également. On mettra le lien de leur chaîne YouTube en description. Et voilà les gars, gros soutien, donc je compte sur vous pour laisser des petits commentaires. Et si vous voulez faire une bonne action, c'est maintenant les gars. Donc du coup le monsieur me donne son adresse et je vous la mettrai en description les amis. Et puis après ils se partageront les cartes entre eux, ils feront le nécessaire. On a nos chaînes YouTube respectives, on est tout le temps. Donc il y a aussi Timixid là-bas là, vous connaissez, je connaissais moi à l'époque les gars, Timixid, n'hésitez pas à aller voir. C'est quand on est arrivé, le parking était fermé. Le parking était fermé? Le parking était fermé. Ah mais là-bas aussi elle est cassée? Bah oui bien sûr. Mais tu peux regarder qu'il y en a 5 hein, au moins. C'est vraiment dégueulasse quoi. Là aussi. Oui, ils ont vu qu'il y a le CDF, c'est juste assez pour pouvoir passer le bras et attraper la poignée. Et là, ce qui serait intéressant, c'est justement relever, je sais pas, les empreintes, s'il y a. Non, on touche pas, non. Le propriétaire de celle-là, pas sa voiture, enfin, il touche sans les gants et qu'à la limite, quand il l'amène. Ils ont cassé laquelle aussi? Celle-là, elle n'en a pas. Ouais, à chaque fois qu'il. Ah ouais, putain. Ah mais c'est une catastrophe. Et tout ça c'est des joueurs qui étaient au CDF aussi? C'est possible? Oh là là, c'est une catastrophe. Ah oui. Donc justement là il y a le mur. Voilà, donc ils sont vraiment à l'abri de tout le monde on va dire. Ils peuvent rien voir. Parce que les étrangers, celles qui sont vraiment en plein milieu, ben ils n'ont rien. Et là, ben, il y a le mur qui protège. Mais ouais.
Il y a des bouts de verre par terre. Ouais, ouais. Putain. C'est vraiment dégueulasse. Peut-être que les gars avaient repéré qu'il y avait le championnat de France des cartes Yu-Gi-Oh. Ah oui, bah, non, mais c'est sûr. Et se sont dit qu'il y a forcément des joueurs qui ont peut-être des cartes de valeur, etc. Bah, même pas que des cartes, des objets. Enfin, ouais, des objets, etc. Le PC est à 1200 euros. Et voilà, vous avez quelques images. Bon, bah, vous savez quoi faire, les amis, hein, franchement. Moi, je pense que je vais contribuer aussi à ça. Avec Konami, peut-être qu'on va faire quelque chose, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai quelques cartes et je vais un petit peu contribuer comme je peux, en tout cas, pour ces joueurs. Et voilà, les gars, vraiment, c'est nul, quoi. C'est tout nul. C'est nul de finir un championnat comme ça. Même si le championnat s'est parfaitement passé et tout ça est indépendant du championnat de France de cartes Yu-Gi-Oh. C'est vraiment pas les parkings officiels, etc. Ils en sont aucunement responsables. Mais c'est quand même très mauvaise nouvelle. Mais regarde ça, c'est vraiment du vandalisme, quoi. C'est tout nul. Parce qu'en plus de ça, il y a aussi la voiture à réparer, etc. Et ça, c'est vraiment chiant, les gars. Et en plus de ça, quand on te casse la voiture et qu'on te vole des affaires, c'est vraiment pire truc. Que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment que ceux qui peuvent soutenir ces gens-là les soutiendront. Vraiment, j'espère du fond du cœur qu'ils vont s'en remettre, qu'ils seront plus heureux dans les jours à venir. Et vous savez, là je m'adresse aux personnes qui sont débrouillées, vous avez tout mon soutien. Je sais forcément que j'étais pas forcément très bien vu par certaines personnes de là-bas, parce que voilà, youtubeur, machin, Pokémon, etc. Mais sachez que au fond, je suis une bonne personne, et derrière le youtubeur, il y a toujours quelqu'un de vrai, et sachez que vous avez mon soutien. Le vol, c'est quelque chose de minable, c'est quelque chose de... Le vol, c'est de la merde. Voilà, ne volez pas les gens parce que c'est de la merde. Voilà, je vous le dis clairement. C'est nul comme message, mais ça montre bien ce que j'ai envie de faire passer. Moi, une fois, je me suis fait voler, et c'était de l'argent, et c'était vraiment de la merde. Voilà, et j'en ai encore des problèmes aujourd'hui. Donc ne volez pas, les amis, et ne soyez jamais tentés. Aidez les gens, voilà, aidez les gens que de les voler. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Aider ces petits joueurs de cartes Yu-Gi-Oh! Et ces gros collectionneurs et ces joueurs de cartes Yu-Gi-Oh! Et j'espère vraiment que vous allez aller bien, les gars. Et je sais que vous avez tout mon soutien du plus profond de mon cœur. Voilà, sincèrement, je suis avec vous. Et force à vous, les gars, voilà. Voilà, mes amis, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Elle était un petit peu longue parce que voilà, je vous ai montré un petit peu, j'en profite un petit peu parce que c'est le début de la chaîne YouTube, etc. De vous montrer un petit peu comment ça se passe, le matos que j'ai. Je vous montrerai aussi la caméra dans une vidéo parce que c'était vraiment une super caméra que je me suis acheté. Micro, machin, tout ça, je vous montrerai un petit peu tout. J'ai pas encore de setup pour stream, PC, machin, etc. J'attends peut-être d'avoir des partenariats avec des marques ou d'avoir l'argent pour m'acheter un fucking setup parce que j'ai pas l'argent pour m'acheter un bureau, trois écrans, un PC, etc. Mais voilà, normalement ça devrait arriver dans les semaines à venir. Franchement, je fais tout pour, mes amis, je fais tout pour reprendre YouTube parce que j'en meurs d'envie. Je meurs d'envie de vous proposer des ouvertures de cartes et même des streams, tout ça. J'ai plein d'idées. J'ai envie même de vous faire des petites vidéos gaming, que ce soit du Fortnite ou même d'autres petits jeux qui me plaisent. Vraiment, je veux qu'on reparte sur une bonne lancée, qu'on fasse un petit peu tout, que ça vous plaise ou non, comme ça je vous le dirai en commentaire, et puis moi je ferai des choses qui vous plaisent, et puis voilà, on pourra trouver un terrain d'entente. Voilà, mes amis, je suis très content de pouvoir recommencer ma vie, et extrêmement soulagé, j'en ai mis clair à l'œil, tu vois. Donc franchement, c'est ouf, ça fait grave plaisir, je vous le jure, ça fait grave plaisir. Bref, il y aura une autre vidéo pour parler de ça. En tout cas, mes amis, voilà, vous avez compris le but de cette vidéo. Normalement, il y aura tout en description où tout est dit dans la vidéo. Je fais de mon mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir ces petites personnes-là, ou même pas de pouce bleu, mais au moins la partager à des gens que vous connaissez qui ont des cartes Yu-Gi-Oh! Et puis voilà, vous abonner si vous souhaitez voir les nouvelles vidéos qui sortiront, ou... N'hésitez pas. Voilà, mes amis. Allez, là-dessus, bah, écoutez, on se donne rendez-vous à demain ou après-demain pour des nouvelles vidéos. J'essaye de vous en sortir tous les deux jours, et puis après, on verra pour tous les jours. J'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de choses à vous faire. Je vais reprendre les vidéos Pokémon Go, je vais tourner des vidéos Pokémon Go sur l'actu Pokémon, etc. Ce qui est très compliqué, juste, je me répète une dernière fois, c'est juste que des fois, il y a des actus Pokémon qui sortent, comme aujourd'hui. Avant, je vous en faisais une vidéo et je la sortais directement. Là, je ne peux pas faire ça, parce que mes vidéos, elles mettent 4 ou 5 heures à s'uploader. Donc écoutez, soyez patients, vraiment, je vous en supplie. Soyez indulgents pour mon retour. Même là, je suis un peu stressé de parler de ma caméra, alors c'est mon métier, que j'ai fait 2000 vidéos. Voilà, mes amis. Allez, là-dessus, je vous fais plein de bisous, vraiment du plus profond de mon cœur, plein de bisous à vous. Et je suis très heureux de vous retrouver. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je réponds aux commentaires. Je suis surexcité de voir vos commentaires, que ce soit négatif ou positif. Je regarde un petit peu tout ce qui se passe. Et là-dessus, mes amis, bon, on se dit à très très bientôt.